animaux qui s'élèvent dans l'air, qui marchent sur la terre ou nagent dans la mer. De Paris au Pérou, du Japon jusqu'à Rome, le plus sûr des animaux, à mon avis, c'est l'homme. Voilà l'homme en fait, il va du blanc au noir, il dénigre au matin ses sentiments du soir, si pénible aux autres, en soi même incommode, il change d'attitude comme il change de mode. Est-ce qu'on a déjà vu dans les plaines d'Afrique saccager jusqu'au bout leur propre république? Lion contre lion, éléphant contre éléphant, se combattre jusqu'aux os pour le solde d'un tyran? Calme-toi, me dira tout, ça sert à rien de s'exciter. L'homme a toutes ses vertus dont personne n'ose douter. Comme la mer, il fait ses flots et il fait ses caprices. Mais ses moindres défauts occultent mal ses vices. Qui voudrait nous prouver, par son discours profane, que l'homme est merveilleux et mérite mieux qu'un âne? Un âne peut dire tout ce qu'il pense tout bas. Mais entre nous, dit docteur, que ne dirait-il? Voilà l'homme. Voilà.